Allô à tous! Ça fait très longtemps que j'aimerais me présenter en vidéo, mais c'est difficile pour moi de montrer le visage parce que je suis un peu gênée de parler devant la caméra, mais on ose des fois. Alors, moi, je suis qui? Je suis Cindy. J'ai 35 ans. Je vis au Québec, au Canada. Je suis une personne qui est énormément énergique, débordante d'énergie, puis qui bouge beaucoup trop. Donc, la caméra, des fois, ça peut être difficile. Vous entendez à l'arrière, là, c'est tannant des vidéos quand on parle et qu'il y a un petit bruit, mais j'ai un chien et deux chats, donc elle ne devrait pas trop japper, sinon ben, je recommencerai, comme on dit. J'ai fait du bricot des arts depuis 2006. Je tiens ça de ma grand-maman, qui était artiste aussi, artiste peintre, puis dans le fond, j'ai toujours bricolé depuis ce temps-là. J'adore beaucoup, beaucoup, beaucoup les nouveaux produits, la nouveauté, tout ce qui touche le mix média, les textures, les métals, les nouvelles pâtes, les nouveaux produits, les nouvelles couleurs. En tout cas, j'essaye à peu près tout ce qui s'est fait pour pouvoir me renouveler, faire plein d'activités nouvelles en bricot ou scrap ou quoi que ce soit. Donc, ça se peut que vous voyez passer des choses nouvelles que j'ai jamais fait et ça, j'aime ça. Aussi, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, 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 beaucoup. Donc, c'est pour ça des fois les petites cernes en dessous des yeux. J'ai de la difficulté à dormir vu mon hyperactivité, mais c'est ce qui fait un peu mon charme. Puis, en gros, dans la vie, avec tout, tout, tout mon énergie, ben, je suis toujours passionnée de tout ce que j'entreprends. Donc, soit les animaux, soit les arts, soit mon travail, tout, tout, tout ce que je touche me passionne. Et là, c'est un nouveau défi qui s'en vient pour moi avec Fabrica Décoru. C'est sûr que je ne l'ai pas dit du bon accent parce que c'est une boutique qui est située en Ukraine, qui là-bas parle russe. Donc, moi, je ne parlerai jamais le russe. C'est un peu difficile à apprendre. Par contre, je vais toujours sous-titrer mes choses en anglais, mes projets, mes tutoriels. Donc, peut-être que des gens vont le comprendre. Et pour le français, ben, ça va être une des seules fois que vous allez m'entendre parler. Puis, je vous laisse sur une vidéo sur ma première commande en tant que DT chez Fabrica Décoru. Je l'ai reçue hier et je vais vous montrer tout ça. Il y a plein de nouveautés. J'adore, j'adore, j'adore. Et je vais vous montrer plein de projets que je vais faire dans les prochains mois. Alors, merci, à une prochaine!